Yamba, je le connais d'abord en tant que jeune, comme tout jeune Kinois. Natango Zaiku, Natango Yaba, Liwanangaya Somo, Liwanangaya Somo, Nakole la voix, Nala Mokase, Napongi Mama, Mawai. Le roi ne permet pas la malpropriété. Le roi, il faut parler du roi, être bien propre, comme il l'aimait bien. C'est pourquoi il y a nos bogares en dengue nini devant beaucoup. Au cas où nous aurons genga en dengue nini, ou bien au cas où vilain moko boye de balbara vilain moko boye, mais forme mystique. Je suis désolé, il y a le baquet. Il faut pas aller dans la copie. Ça va annoncer à roi na pyjama. Ça se fait pas. Mais... toujours bien habillé. Oui, et Fleuroma sur la forme Zongia. C'est vrai que nous sommes un royaume. Il faut expliquer lequel, c'est quel royaume tu la parles, sape parce est que... en deuil. La sape est en deuil. Nous devons parler maintenant de cette science qui, aujourd'hui, a trouvé sa raison d'être dans le combo de sapologie. Je salue de passage tous les anciens, paix à leur âme, qui sont partis. Rafa Bounzegui, King Kestere Menea, aujourd'hui, le roi est mort. Disons, vive les rois. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ces propos que nous allons introduire notre émission. Comme vous le savez, le monde artistique est en deuil. Nous venons de perdre un grand artiste, le monde de la sape, le monde de la musique. Comme la musique et la sape, c'est pratiquement la même chose. Donc, du coup, tout le monde est en deuil. Le monde entier, parce que Papa Wemba qui vient de nous quitter, c'est un grand artiste. Parce que Papa Wemba a fait parler, a bougé le monde entier à travers sa musique, à travers sa façon de s'habiller. Donc, comme l'a si bien dit Joe Mubiala, qui fait partie de ces royaumes, parmi sa père, parce que vous avez un ming-ming na linga, là, donc le roi est mort. Tout ça, vraiment, parce que roi,
il y a sa père, roi, il y a sa apologie. Pour papa, il y a un royaume. Le lot, il y a la télé, il y a un loba. Il y a un billet qu'on ne présente plus, un ancien artiste musicien, parmi ma manager et ma musicien, etc. Et les loups, bon, comment il peut. Animateur de la télé. Voilà, animateur de la télé également. Il a travaillé dans Raga TV. Ah, et puis, voilà, mais émission avec Internet. Mais les loups, bon, comment il plus côté politique. Mais le rôle, le roi est passé. Mort. Voilà. J'oublie pas mon passé. Il te rattrape toujours. Bato, sur le bossani passé, na yo, Orlando Gaga. Donc, le roi est mort. Voilà que Mumba Fouébimi, ma forme est bimi. Jom bia la la ébité Obaki Oloba la kitem di lelo. Bon, c'est vrai que le roi est mort, nous devons le saluer na tenu na ye ndenga kolingaka a lingaki. Papa Wemba, je le connais d'abord en tant que jeune, comme tout jeune Kinois, na tango zaiku, na tango ya ba liwananga ya somo, liwananga ya somo. Na kole la boy na la mukase na pongi mama mawai mawai na longwe wana to komi na la période ya viva la musique d'abord na na côté to komi na ici filo kole sifilo kole bazo ko répéter na ba wafania na ba kulutu na ngai volo golai ba ba mavoe la somo ba ba wana tu ba boye baki. Alongwe wana ba komina yoka lokole na movenda 44 pa ina mona ki mingi ko kutana yesusu na tango yoka lokole ngana otanga na tene zo ki ba classe zo ki ende kuna na tolongwe kuna elongwe wana na ko so na kulutra ngai menea emenea azota na Lubumbashi abi ngai na lingina yemba na yoka lokole lokola yo za kuna en tout cas soki moyen ali na kota na na ni yo muri ndege ni petit frère kapi grand frère. Les études sont très importantes, les a bien autant pour na vie na milieu na ndenge aux années azoko mo na zo sentir aussi que aux années nous prêter, mais prends ton temps, un jour viendra. Et puis tango par Micha Mulongo a eu quoi enregistrer yeva la mala ko jeva o yeva la ma. Yeva la ma, likamboli kamboli zala kampe nantango, nantango na yango, mwana mama. La kanisi batebele babi, une chanson wana. Tout à fait. Ton batuleki na vingana yebaki, tango azala epaya, ya akoti azoko repete po babi misa milena. Na yeko tala chiko vi a vina zala molokai, yaka o passé. J'étais le seul frère emmené à ce moment là. Aïeba qui place à Bomba Maki, à Molokai. Il y a une famille qui est là. Voilà, ma soeur Chika Kimi déjà. Voilà. Parce qu'il y a une université, il y a un bus qui est là. Il y a un bus qui est là. Il y a une classe, un niveau. Et ça, c'est qui. Donc, il y a une facilité pour la famille Bandima. Et puis, il y a un coma. Il y a un tenu dans un décision qui est là. Vieille place après ça, il y a un rendez-vous. Il y a une commune à Molokai. Papa m'a dit que chemise moko ya mon mulaya kaki boye na na ni na ba be polet na de pocha wa el ko na libosa ya miu na ye as na 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 libosa le pamu na ba mona miu ra so yim e bale mbonge e bale ye moko so yim ba kana plem bubu ya ple na matonge na ba 11 ba midi par là biso kimitik to ke ta la vie ke kes na tuninga bonjour pour à l'époque na na salut vive la musique. Avec tout le monde l'appelait papa. A tenu le vieux. Est-ce que je peux voir Ah, vous voulez voir Kester? Kester a tourné avec Kester. Kester. Il y a des gens qui sont là pour vous, hein? Pour toi. Tu sais qui n'a bisoka? Voilà le poteau. Voilà. Bon. Ma soeur, le poteau. Voilà. Tu sais qui n'a bisoka? Viens, qu'est-ce que tu as? Ah. Le côté. Parce que dans mon local, il y a qui ont à côté. Après quelques 3 heures, il y a qui ont été en train de faire rien. Non. Et Jean-Léon Lio, qui est à Paris, il y a un pauvre Kung qui est en Suisse. Il y a déjà
Comme il le voulait, donc là, paix à son âme. Papa, c'est-à-dire pour Joe Mubiala, le code du royaume et c'est qui exigeait Nini. Tenu correct. Le roi est mort. C'est-à-dire, le roi, c'est pas. Donc, dans la cour royale, le respect du roi, c'est avec une bonne tenue. Il ne faut pas te présenter en pyjama. Comme l'a fait l'autre Nani Moutrabino, Madame Sousounani. Zachary Bababa, soit je suis désolé, il ne faut pas aller dans la coupe, ça va annoncer à roi, na pyjama, ça ne se fait pas. Mais c'est manqué quand même, Zachary Bababa, c'est un député connu, c'est un journaliste qui a fait ses preuves et tout. Donc, Bilamba, c'est un moment où la circonstance va tendre, tout va être un peu perdu, Joe Mubiala. Est-ce qu'il faut tenir rigueur dans nos côtés? À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Le respect, on doit avoir un civilisé. On est civilisé, ça vous a civilisé. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'on respecte par principe. Et puis, se permettre qu'un gars qui est dans le Parlement, si on soit disant député, si on a qui est dans le Parlement, je viens en pyjama. Est-ce qu'il va tolérer un gars? Je ne pense pas, mais quand on vit aussi dans le cadre, il y a un royaume, et le royaume, il y a une sapologie, une tenue est exigée. Par principe, il y a un protocole. On ne vient pas n'importe quoi, et j'attire l'attention à tous ces gens qui vont au Kendenanen, au saluer le défunt, le roi. Il faut, à base, la tenue, on a exigé. Il n'y a pas à discuter, et c'est comme ça. Et c'est par principe, et c'est par respect. Voilà. Yosa, parmi les membres du royaume, qu'est-ce que tu attends par tenue correcte exigée? Est-ce qu'il faut les aller griffer? Est-ce qu'il faut les aller drôle de choses? Moi, papa, il faut les aller. Qu'est-ce que tu attends par tenue correcte? Quand on voit le départ, il n'y a pas 10 000 photos. Il faut avoir une seule tenue aux aller exiger. Dans le cadre, il y a respect, il y a Moué, et puis qu'il y a un roi en plus. Il faut en tenir le papillon, chemise blanche ou chemise noire, une veste à la pembe, veste à noir, bien habillé, être vraiment, voilà, ça, on discute même pas, vous rentrez. Ce n'est pas votre poste, ce n'est pas quoi, mais c'est d'abord votre présentation. C'est ça qui est important, la présentation. Ce qu'on dit, c'est un spectacle en dehors de l'artiste. L'artiste, ça, je dis, il y a la sapologie, le roi qui est mort, et il y a l'artiste. Il y a spectacle. Ça, je n'en disconviens pas. Il avait plusieurs. Il y a famille, parce qu'il y a peut-être dans le cadre de la famille, parce qu'il y a la tenue traditionnelle. Ça, c'est autre chose. Il a été un chef coutumier. Donc, parce qu'il y a la tenue, ce qu'on a qui dans la tenue, il y a un chef coutumier, il y a une cérémonie, il y a ça, là. Et puis, il y a une exigence, un principe. Il faut savoir respecter
quand on est dans ce monde-là, il ne faut pas qu'on bimane à pyjama. Oui, comme quoi, on a eu annoncé que pour le plaisir de végétarien, qui m'a cambronné. Non, rien à dire. Ramsey à Gaillard, yo talaga démonstration. C'est vrai que c'est une façon, il y a Monique, comme on dit en français, qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Nous, on n'a rien inventé sous le soleil. Nyonso et Bandaki na Balumumba, Bakasavubu, Bomboko, Papa Nyonso, Bakende na table ronde, Bachombe, Bangonyonso, Baki toujours bien habillé. Et c'est-à-dire, tout lundi, Bango, Ndenge, Bazalaki, ko se présenter. Mais par contre, Ndenge, lui qui veut noyer son chien, l'accuse de rage, comme il faut diaboliser, moi. Jeunesse Oyo, et il dit qu'on s'émancipait, qu'on a bien aidé notre baleine, parce que c'était des bandits des grands chemins, comme aujourd'hui, des gens qui aident pour dire, ça, la politique, il y a Yambo Kanabiso, donc c'est des bandits des grands chemins, des voleurs, des Miyibi, mais, on va avoir une étiquette, mais il y a Yibi, et belé à un million, un milliard, mais on ne fait pas attention à ces gens qui tuent, vraiment, de manière autorisée. C'est la même chose, diaboliser, mais tant que tel, tout le monde ne jure que de la sape. Et là, tu vas dire que c'est une folie, Jomo Biala. Surtout, tout le temps, on va prier, C'est
C'était une folie, en fait, l'idéologie. Je comprends tout à fait, tout à fait, je comprends tout à fait, tout à fait. Et là, aux Européens, ça met au côté d'une analyse économique. Analyse beaucoup plus encore au niveau moyenne. C'est-à-dire, quand on a des politiques, il faut passer à la création d'emplois. Il faut pas verser le salaire à tout le monde. Il faut pas consommer. Ils ont offert à tout le monde chance, il y a comme ça le commerce, et puis moutou dans moutou, ils ont se retrouver. Mais quand je veux dépenser, le peuple qui paye les prix. Nous, on voulait s'habiller comme ça, et puis ils ont ma création d'emplois. Va couturer la mission, va travailler, le battant va travailler, va créer un emploi, va société, ils ont payé, va tout na délai, ou va contrat, et voilà pourquoi. Tant besoin d'avoir griffe à miner les Congolais, va se retrouver. Tant besoin pendant mon matin, c'est il y a pas de Congolais, ce sont des étrangers qui en bénéficient. Vous savez, ce n'est pas comme sous la côte, papa Mbassi, c'était la révolution en douceur. Il n'a pas utilisé l'arme. Papa m'a plaidé pour la paix, a plaidé pour l'unité, a été contre le terrorisme. Mais papa était un révolutionnaire, c'est-à-dire il a voulu que tout le monde, qu'il n'y ait pas de pauvreté, il s'est battu pour cette classe de munis, cette marginalisation de Babato Banaya cité, Banaya Boué. Il s'est battu contre ça, c'est ça sa lutte. Batébéli babo ça n'a pas côté on a que lutte à papa Wemba et zala qui colongo la bateau n'a pas pauvreté et puis vous verrez que bateau union sur les loges si je n'ai ni ceux qui bateau expert il y a sondage ou bien il y a bah recherche il y a investigation il y a li bah qui nous ôte dans le Congo bateau va investir mingi dans le Congo bah nous bah ôte Masina bah nous bah ôte Kingasani bah nous bah ôte Masina bah Kimbanjili bah Matete bah Lemba bah Ngaba. Mais si on a dit que les gens pas gagné, c'était gamin. Alors qui maintenant, qui est gagnant dans tout cela? Qui est gagnant dans tout cela? C'est-à-dire que c'était sa lutte aussi quelque part. Il y a Papa Mba. Lutte à Papa Mba, c'était pas seulement montrer que le m'as-tu vu, c'est lui qui l'avait compris. C'est-à-dire qu'il vous engageait. Moi, je dis une anecdote, tu te donnes à Papa Mba. Bateau, nous soyez Papa Mba. Ce qui va y aller bien, à retour, ce qui se présenter pour l'être bien. A tu dit, Joe, voilà ça, ça va. Oh, vieux, on t'a dit, on a dit, il te laisse ton choix. Mais, première parole, Lenin. Caillou. Ah! Bateau, il y a eu papa, on va bien, il ne va pas te dans quatre chemins. Une phrase, on va dire, Monica, Caillou, ils ont assurance. Hein? Caillou, ils ont un caillou, ils ont un mot, ils ont un bloc, ils ont un CP là. Et puis, c'est ça la vie, quoi. Mais ils ont une boule là, ils ont un copain, il va pas, liberté, mais la première des choses, on peut se conseiller. Et en deux mots, ce que vous avez un grand garçon, c'est à vous de faire le choix. Et c'est ça que je dis, que les gens n'ont pas compris la pensée de l'homme. La pensée de l'homme a été interprétée dans la folie artistique. Ça, c'est la folie artistique. Il y a aussi ce côté folie artistique. Et je dis bien que la folie artistique n'a rien à voir avec l'homme qu'il était. Il méritait un respect, beaucoup de respect. C'est voilà. Toute une philosophie que Papa Mba nous laisse, mesdames et messieurs. Tokomi Nasuka, peut-être un témoignage sur Papa Wemba. Qu'est-ce que tu gardes de Papa Wemba? C'est vrai qu'au tout le moment, mais le meilleur souvenir que tu gardes de Papa Wemba, Joe Mundiala, pour qu'on tout conclure, Karwan. Le meilleur souvenir que je garderai de Papa Wemba, c'est l'adversité, c'est la concurrence, c'est la compétition. Ça, c'est l'émulation. Il vous met en défi. Donc, il faut que vous fassiez les cahiers, il faut que vous fassiez. Et c'est ça qui fait l'homme. C'est ça, il avait une formule magique, il y a aussi identifié dans le capitalisme européen ou américain, mais avec manière africaine. Mais l'Africain a interprété trop mal avec des insultes, des injures, et c'est ce qui était dommage.
C'est ça qui était dommage. Même Moussoud Lelo, comme il s'est rétracté, comme il s'est rétracté, mais il ne faut pas tomber dans la bassesse. Il ne faut pas tomber dans la bassesse. C'est la compétition. Il adorait la compétition. Il adorait la concurrence. Il adorait ce côté-là aussi, fou. Donc, c'est-à-dire que, mais avec, surtout avec un respect. Il savait bien se contrôler. Et puis bon, c'est un homme aussi, il a eu ses défauts. C'est comme tout être humain avec ses erreurs. Il faut l'admettre. La plupart des temps, il était toujours réservé avant de pouvoir dire, à moins que vous allez à l'extrême. Là, c'est tout le monde qui peut peut-être aussi se dire, écoutez, ça suffit, là, il faut que je dois aussi me défendre. Mais il adorait la concurrence, il adorait la compétition, il allait dans l'émulation. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, donc, à Koyeb, on va allumer Bino, et puis voilà, c'est la guerre contre la politique. Qui est le meilleur gagne, comme on dit. Et ça, je me répéter encore de dire une chose, c'est là où on a gagné la politique dans Mobutu. On a gagné la politique à Mobutu. Par Mobutu, c'est comment nous autres, n'importe quoi. Balanda va m'équiliste. C'est-à-dire qu'à dominer, à l'époque, si vous permettez encore une seconde, Natango Akala, formule Monsieur Bimi. Ah, je débarque là, je me présente là, Namputu. Mputu, Yangom de Memi Sikoyo, aujourd'hui, Bana, y a zone, on va la zone reculée, bah comme une apoto. Alors au lieu, tu vas dans le gouvernement, bah il y a un bon, au lieu bah vendre la Kinshasa, bah la apoto bah l'anda, bah on va qui nous vendre kuna, non, bah on va longo kuna bah y a un apoto, bah comme une bah on, bah kobo bah na nindenga ko bah termine abiso, bah kobo il fatigué, donc si on n'a gagné nani. C'est-à-dire que bah tu vas changer formule en douceur. Avec une intelligence que... C'est l'arme à utiliser qui les Arabes là-bas. Il n'y a pas de violence. C'est la frime. C'est la sape. Et c'est ça, la force de Papa Mba. Et ça, c'est... Donc, on s'habillait même... C'est pour ça que je dis que même le sapeur s'habille mieux que le ministre. Mais il travaille. Il gagne sa vie honnêtement. Il ne vole pas le peuple. Et c'est ça, Papa Mba. Papa Mba, c'est-à-dire qu'il... Il n'encourageait pas le vol. Il n'a jamais été en prison lui-même pour avoir volé quoi que ce soit. Rien. S'il a fait, peut-être, il est passé par là. C'est peut-être par générosité. Il voulait aider les gens, mais ma foi, la loi aussi peut-être aussi, il y a ses contraintes. Mais sa volonté, vraiment, que Batma comprendre en gros, moi, si je peux témoigner dans ce sens-là. Je ne dis pas parce qu'il est mort, moi, j'ai un coup de gueule avec lui, hein, je ne peux pas l'exclure, mais il y avait toujours ce côté respect de, entre nous, de la concurrence, de la diversité. C'était normal, c'est l'émulation. Chacun cherche peut-être aussi à être mieux que l'autre. Mais on a jamais des injures que Kofi Nganana ait dépassé la borne. Il n'a jamais peut-être aussi attaqué sur ce point-là. La preuve, si quelqu'un peut dire « Ah, le balélo, que non ?»« Mouwemba, bo lingayo, tebe, abonabo, nabo. » Non. Il avait toujours des gens qui étaient encore à côté de lui, parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Bah, il s'en a toujours, comme lui a son style, mais petit, jusqu'à ce que tu cites, que, ça c'est son style. C'est comme ça qu'il était aussi, son côté aussi provocateur, son côté aussi un peu artistique, un peu de à sa façon. Et là, je retiens encore, je dis que sa lutte, son bravoure. Il était fidèle à lui-même. C'était égal à lui-même. Et il assumait tout ce qu'il a dit. Il a dit des bien ou des mal. Il savait assumer aussi ses côtés critiques. Et il adorait ça. Mais là, il question na oyo. Est-ce que papa il va rouler na nini tout ce qui s'arrête. Mais c'est vite vu. Quand on dit. Ah, oui, donc, on dit. Mais ce que je vais rendre attentif. Non, qu'on n'achète pas Ebembe à Papa Mba, il est déjà parti. Parce qu'on a un bon côté. Il n'a pas de prix. Moutouté à cause de que non, il va te rejoindre la charge, on est poussière, on retournera dans la poussière. Amen. Merci Djo Moubiala, le message est passé. Merci équipe à Congo Vibration. Ramsi à Gaillard, Blaise Zebele Mobobo, toujours dans le point. Équipe à Congo Vibration, Nyon Soakine, Boutine de la Bissouba Image à Paris, et au Salabien Makassi. Djo Moubiala. À suivre. Merci que l'au-delà
puisse lui trouver une place et la place qu'il mérite. Inch'Allah.